Les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo dans laquelle on va parler du match entre le Maroc et le Portugal. Ce match se déroulera ce samedi à 16h. Franchement les gars, j'ai vraiment hâte. J'ai hâte que ce match débute entre ces deux nations. On va pas se mentir, ça va être un match incroyable. Et également, on va pas se mentir que les Portugais de CR7, le Portugal de Ronaldo, est clairement favori. Mais en tant que supporter marocain, en tant que Marocain, franchement les gars, je pense et je suis certain que nos Marocains peuvent une nouvelle fois créer l'exploit. Tout d'abord, pour moi et d'après moi, le Maroc a déjà réussi sa Coupe du Monde. Le Maroc est à l'heure actuelle en quart de finale de cette Coupe du Monde 2022. Le Maroc a battu la Belgique. Le Maroc a fait match nul contre la Croatie. Le Maroc a éliminé l'Espagne. Franchement les gars, c'est une dinguerie. La Coupe du Monde que réalise actuellement le Maroc, c'est incroyable. Franchement les gars, j'ai pas les mots et je pense que le Maroc surprend le monde entier. Les Marocains ont un mental d'acier. Les Marocains sont tout simplement des hommes, sont des bonhommes. Mais est-ce que le Maroc maintenant peut éliminer cette équipe portugaise? Mon avis, maintenant. Tout d'abord les gars, vraiment, d'après moi, dans le football, tout est possible. On va pas se mentir, le Maroc, c'est une équipe, on va dire, outsider. Le Maroc est loin d'être favori contre le Portugal. Mais moi, les gars, je pense qu'avec nos armes, qu'avec Hakimi, qu'avec Ziyech, etc., le Maroc peut réussir quelque chose. Je pense que les Marocains peuvent créer l'exploit. On a du genre de classe mondiale. On a un gardien exceptionnel, Yacine Bounou, qui a été incroyable durant le match face à l'Espagne. Franchement, les gars, en tant que Marocain, je suis assez confiant. Je dis pas que je suis optimiste, mais en tout cas les gars, moi j'y crois. Moi je pense vraiment que les Marocains peuvent réussir à créer l'exploit contre le Portugal. Le Portugal, on va pas se mentir, c'est une équipe incroyable. Ils ont gagné 6 buts à 1 lors du dernier match. Franchement, ils ont une équipe de malade. Ils ont tué la Suisse. On va pas se mentir que le Portugal sans Ronaldo, c'est moins bon. Voilà, j'ai l'impression que dès que le Portugal joue sans CR7, le Portugal est meilleur. Donc évidemment, j'espère que CR7 sera sur le terrain. En tout cas les gars, franchement, je le dis, je le répète, moi j'y crois à 100% à cette équipe marocaine. Le Maroc a des bonhommes sur le terrain. Le Maroc a des très bons joueurs. Certes, moins bons sur le papier que ceux des Portugais, mais le Maroc les gars a de bons joueurs, a des joueurs avec, avec un mental exceptionnel. Franchement, tout ce qui est Boufal, tout ce qui est Bono, franchement les gars, c'est une dinguerie. Le Maroc a une équipe de malades et j'espère infiniment que les Marocains réussiront à créer l'exploit face aux Portugais. Voici, on va dire, pour cet avant-match, j'espère qu'il t'aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, de vous abonner à la chaîne, c'est le plus important, et ciao.